Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Skyblock parce qu'il y a une petite mise à jour à propos d'un arbre apple tree, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai reçu et aussi parce que j'ai un petit peu progressé grâce à l'aide d'un abonné, donc c'est Redstone Man, donc vraiment je remercie énormément de fois parce qu'il m'a énormément aidé et du coup j'ai commencé à, enfin on a commencé à faire un espèce de château, donc voilà, ça se construit petit à petit mais ça se construit, donc là j'ai réussi à avoir une graine en plus de berry, bah tiens j'en ai une en plus donc ça c'est nickel. Et du coup dans mon inventaire j'ai un arbre où je l'ai mis dans le coffre, je sais plus, je crois que j'ai mis dans le coffre en bas parce que j'ai crafté d'autres coffres. Ouais bah c'est celui-ci, alors attends, du coup on va enlever ce que j'ai ici parce que j'en ai pas besoin et on va prendre directement cette, non attends on va faire comme ça, voilà nickel, comme ça j'ai l'arbre d'équipier, je sais absolument pas ce que ça fait, franchement j'en sais rien du tout, je vais peut-être le mettre en bas parce que j'ai fait un petit truc en bas. Je voulais faire un truc où il y avait tous les arbres parce que j'avais tout envie de regrouper. Mais bon, au final, on va tenter. Juste, je vais prendre la hache. Voilà. Comme ça, on va faire buff. Voilà, ça récupère. Et on va le planter ici. Je sais pas ce que ça va faire. J'ai tellement trop hâte. Ça, on le récupère. Ça, on le récupère. Nickel. Oh, j'ai reçu une graine. Ah bah attends, on va la planter ici. Nickel. Nickel, nickel. J'ai aussi Redstone Man qui m'a donné ça pour que je puisse me battre. Et c'est trop cool. Regardez-moi la dégaine de cette arme. Je voulais tellement l'avoir en plus, me la crafter et tout. Mais j'arrive pas à avoir ce qu'il faut pour la faire. Parce que c'est avec le fer, quand tu mets le fer, j'arrive toujours pas à avoir le Crystal Iron, un truc du genre. Mais bon, du coup, j'ai cette arme. Donc merci à lui de m'avoir donné ça parce que c'est juste énorme. J'ai acheté d'autres totems de pierre parce que j'en avais pas assez. Comme j'ai besoin de pierre pour le château. Et du coup, je vais vous montrer. Ce qu'on a construit, c'est quand même pas mal. Enfin, déjà pour un début, ça passe. Hein. J'ai voulu faire des grandes baies vitrées, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Là, j'ai commencé à faire le test avec le lierre pour voir ce que ça allait faire. Et là, c'est Redstone Man, du coup, qui m'a montré en fait comment faire avec les oignons, etc. Parce que du coup, moi, je savais absolument pas. Donc, il m'a expliqué. Et du coup, on a des oignons pas propres. Il faut les laver. Il faut une machine pour les laver. Donc, non, mais je trouve ça tellement cool. Et du coup, là, j'ai pas fini de faire l'espèce de tapis. Sûrement qu'au milieu, je vais faire du rouge ou que je mette du rouge, j'en sais rien. Et là, j'ai fait les escaliers avec les bougies parce que je trouvais ça tellement plus cool et plus stylé. Mais j'ai rien fait encore à l'étage. J'ai rien fait du tout. Mais je trouve que quand même, on a une bonne vue. J'ai commencé à mettre les vitres jaunes. Mais bon, là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Et ce que je voulais faire, c'est une petite salle secrète, en fait, juste ici. Et du coup, en fait, on passe sous les escaliers, du coup, et on arrive ici vers les machines, du coup, qui nous font des briques et des pierres taillées. Donc ça aussi, ça aide énormément. Attends, j'ai tout récupéré. Hop, ça, on récupère. Et du coup, en fait, je vais vraiment en fait recouvrir plus tard ça de bois pour faire vraiment une pièce en bois avec au mur ou au sol, j'en sais rien, des bougies, enfin des lanternes, etc. Donc, je vais voir comment je vais me goupiller tout ça. Mais déjà, je trouve que j'ai pas mal progressé. Là, pour le coup, ça change de ce que j'avais déjà. On va aller voir si entre temps il a. Oh, je crois qu'il a poussé l'arbre. Oh, oui. Attends, on va aller le voir. On va se dépêcher. Oh, j'ai tellement trop hâte de le voir. Est-ce qu'on peut réellement récupérer des pommes dessus et les vendre ou les utiliser pour faire quelque chose? Ah, oh, il est immense! Il est tellement immense! Oh la vache! Mais c'est tellement délire! Alors attends, j'ai récupéré la fleur rouge. Oh, c'est délire d'avoir un arbre comme ça. Bon bah je vais attendre un petit peu parce que peut-être que ça va me faire les pommes plus tard. Mais c'est tellement trop cool! Oh, j'adore! J'aimerais bien me construire une porte, mais il me faut du pine wood. Donc, on va aller voir vers la ville, là, enfin, espèce de village. Si je peux pas m'acheter le pine wood, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Donc, j'aimerais bien l'avoir, là, pour le coup. Non, c'est pas ici, c'est ici. Voilà, c'est celui-ci. Et du coup, j'ai largement de quoi acheter ça. Voilà, nickel. J'en ai déjà 10, j'ai envie de dire c'est pas mal. Et il va falloir que je vende aussi au bout d'un moment ce que j'ai dans mon inventaire et puis que je re-récolte mes champs parce que pendant un moment, j'ai pas récolté quand même. Là, j'ai récolté mes berries parce que de toute façon, ça rapporte énormément de pépites. Hop. Et j'ai planté, tiens, j'ai planté un sapin ici déjà. Comme ça nous permettrait de faire des portes. Parce que sinon ça va être nul, un château sans porte ça va être nul. J'ai fait des échelles aussi hein, pour pouvoir faire, comment dire. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire une grande tour qui se termine en pointe. Et du coup bah on va faire avec les échelles pour vraiment grimper tout en haut.
Bon, j'ai construit ça, je pense que c'était déjà pas mal haut. Je sais pas trop comment je goupiller tout ça, mais bon, on va mettre déjà des vitres pour que ça se fasse un petit peu mieux. Là, on va en mettre comme ça. Hop, parfait. Ah, tiens, je vais essayer. Ah ouais, mais je peux pas faire l'angle. Donc attends, on va retirer la dernière vitre. Là, on va en mettre d'autres comme ça. Attends, je vais essayer de bouger. Voilà, nickel. Nickel, nickel. J'espère que ça va faire un truc cool quand même. J'espère vraiment que ça va faire stylé parce que sinon je vais bien rager. Hop, nickel. Là, on va mettre ici les vitres. Voilà, parfait. Et ça fait déjà pas mal, je pense. Pour une tour, je pense que ça fait vraiment pas mal. Je vais juste continuer de faire... Enfin, de mettre les vitres pour que ce soit vraiment des baies vitrées et pas juste des petites fenêtres. Par contre, c'est galère quand tu mets les vitres. Enfin, j'ai l'impression... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est tellement galère. C'est tellement fin, en fait, les vitres que... Que je sais pas, des fois ça va pas se mettre dessus. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait sur le bloc de l'autre vitre. Du coup, je galère. Ah non, non, trop 4 tard, bah j'ai mis sur côté. Je veux juste voir quelque chose si dans mon inventaire j'ai de quoi faire des petites rambardes. Non, j'ai pas. Parce que en fait, ce serait mieux si on avait un espèce de balcon et du coup, bah voilà, on irait là. Et du coup, attends, je vais descendre et j'allais en fabriquer. Heureusement qu'il y a pas des dégâts chutes hein, dans le jeu parce que quand même, c'est vachement haut. Est-ce que j'ai de quoi faire ça? Oh, nickel. Nickel, nickel. Attends, j'ai crafté ça déjà. Ah ok, j'ai plus rien. Je vais enlever ça, L'échelle, j'en ai plus besoin. Et on va prendre du coup les barrières, nickel. Comme ça, on les pose juste ici. Ça fait un petit balcon tout mignon, voilà. Attends, j'ai essayé de mettre sur le côté. Voilà, parfait. Eh, ça fait cool quand même, non? Ça fait un petit truc, bon ça se trouve ça fait dégueulasse. Je sais pas, mais moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien. J'aimerais bien quand même terminer avec ces blocs. Je trouve que ça fait beaucoup mieux les blocs de pierre avec du lierre. Je trouve que ça donne du cachet au château. Enfin, l'espèce de château que j'essaye de faire. Je sais même pas si ça ressemble à un château, mais on va dire que oui, d'accord. Sinon, je vais nous faire une déprime. Hop, hop. Mais j'ai pas beaucoup d'inspiration, moi, c'est ça le problème. En fait, des fois, le problème, c'est que j'image des trucs dans ma tête, mais en fait, quand j'essaie de le faire dans les jeux, ça ressemble strictement à rien. Donc, j'espère quand même que ça fera un peu bien, quoi. Enfin, j'attendrai le retour, quand même. Je trouve que vous allez me dire, Mousse, c'est tellement moche que tu fais. Mais c'est pas grave. Vous aurez de la pitié pour Moustacho. Est-ce que je laisse ouvert ou je mets un toit? J'en sais rien du tout. J'aimerais bien mettre un toit, un petit toit, avec des planches de bois. Tiens, maple plank, voilà. Je vais essayer de grimper. Non, je peux pas. Attends, je vais juste faire ça. Voilà, nickel. Comme ça, là, on met un toit comme ça. En espérant que ça fasse bien. Enfin, j'ai un truc en tête. Je vais voir si ça fonctionne. Ça le fait ou ça le fait pas? J'en sais rien si ça le fait ou pas. Mais on va dire que ça le fait, d'accord? C'est tellement moche. C'est affreux, c'est horrible en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est la couleur qui va pas. Ou alors j'aurais dû le faire en brique, j'en sais rien. Mais là, je trouve que ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Par contre, est-ce que j'ai des petites lumières à mettre ou pas? J'ai pas l'impression. Là, j'ai quoi? C'est ma canne à pêche. Moi, j'ai pas de lumière. Alors attends, je crois qu'il faut que j'aille prendre de la craie pour. Enfin, l'espèce de clay là pour. Fabriquer les trucs. Donc on va aller miner ça. Hop, je prends ma pioche. Comme ça au moins c'est fait. Juste avant d'aller fabriquer les lampes, on va récupérer ça. Parce que si je peux avoir d'autres graines, ce serait vraiment cool. Et du coup, on va aller juste ici. Est-ce que je peux faire au moins des lanternes ou pas? Ah cool, je peux en faire. Oh délire. Oh c'est tellement délire. Bon, par contre, ce que j'espère, c'est qu'on puisse les mettre sur le mur, parce que j'ai pas fait le test. Alors, attends, elles sont là. Si j'en prends une, est-ce que je peux... Non. Non. Mais non. Mais de base, une lanterne, ça se met contre un mur. Mais non, mais je suis trop deg. Attends, genre, t'as l'attache pour la mettre sur le mur, mais tu peux pas... Oh, mais non, mais je suis trop deg. Bon, bah, tant pis, on va les mettre par terre, hein. Écoute. Tant pis, tant pis. Moi, bah, je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé quand même les mettre contre le mur, ça aurait fait plus stylé. C'est pas grave, je vais quand même en mettre. Je vais mettre une ici, et on va faire ici, écoute. Hein.
Ça fait déjà pas mal, au moins on aura nos 4 lanternes, et puis voilà quoi. Là je suis sûre que sur le robot on peut pas... Oh si on peut! Yes! Oh ça fait tellement cool là. Oh trop cool. Là déjà ici, moi j'aime bien. Ça fait stylé. Ça fait stylé. Sur le balcon, franchement, ça fait vraiment stylé. Mais c'est dommage qu'on puisse pas le mettre contre les murs. Mais là, ça va. Ça se rattrape avec le balcon. Ça fait plutôt une belle vue en plus, je trouve. Donc, oh, ça passe. Ça passe, ça passe. On va aller voir un petit peu le pommier pour voir où il en est. Parce qu'on n'est pas allé le voir depuis tout à l'heure. Donc, je sais absolument pas si on a des pom-poms ou pas. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh, délire! Et je me demande si tu peux avoir d'autres graines quand tu récupères les pommes. En tout cas, j'en ai pas d'autres pommes. Oh, délire! Et attends, on va aller dans la ville pour voir un petit peu combien ça se vend. Enfin, je sais même pas si ça se vend en fait. On va aller voir tout court si ça se vend et puis à combien parce que du coup, ça m'intrigue un petit peu. Ou si c'est juste un truc pour faire la cuisine et puis rien d'autre quoi. Attends, on va aller là. Ah, si ça se vend. Ah, ça se vend 20 pièces quand même, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, on va vendre ça en même temps parce que j'en ai vraiment pas mal. Ouais, ça me fait 4050 pièces, ça j'en ai aussi, donc on vend. Les oignons, j'en ai. Est-ce que j'ai des tomates? Non, ça j'en ai pas. Ça j'en ai, donc on... Ah bah j'en ai qu'un. Et le reste, j'en ai pas. Il y a de l'avocat et des citrons. Attends. Ah mais oui, mais ça doit être les arbres! Et je crois qu'en plus, ça avait dit que... Comment dire? Qu'il fallait que tu échanges avec les autres joueurs pour pouvoir avoir les autres armes. Ok, bah sûrement que tu peux avoir des graines du coup de ces plantes. Enfin, de ces plantes, de ces arbres. Ce serait cool si c'est le cas. Bon, j'ai 26 de bois de sapin, donc on va pouvoir se faire... Ah non, attends. C'est bois ou planche qu'il faut. Ok, donc c'est du bois. Je peux en faire deux. Je peux en faire deux, c'est pas mal. Déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est mettre la porte vers cette pièce-là. Voilà, dans le renfoncement, je trouve que c'est cool. Ah, c'est trop cool. Franchement, là, c'est trop cool ici. Et du coup, j'aimerais bien faire une porte là. En fait, une porte de chaque côté, mais du coup... Alors, attends, on va faire déjà une porte ici. Si ça veut bien, ce que j'aimerais bien... Qu'elle soit dans l'autre sens. Est-ce que ça le fait ou pas? Ouais, ça le fait. Ok, et du coup, faudrait qu'il y ait une deuxième ici. Et comme ça, on rajoute un truc ici, puis on décale les carreaux. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Ou alors, non, je laisse les portes ouvertes, en fait. Je peux laisser les... Comment dire, les portes ici, et les laisser ouvertes pour faire genre une grande entrée. Enfin, j'en sais rien. J'ai envie d'aller voir encore une fois mon arbre, là, le pommier, pour voir s'il y en a d'autres des pommes. Je sais pas à quelle vitesse ça vient. Hein. Franchement, j'en sais rien. Il me semble que j'ai vu une pomme. Oh yes! Oh, j'en ai encore une. Oh, trop cool. Et n'empêche, c'est génial d'avoir fait ça. Bon, et eh bien écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Skyblock. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!